Ils étaient 6986 clubs au coup d'envoi de la compétition. Et avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, en route vers la Bourgogne-Franche-Comté. Match de rêve pour tout le club, tout le monde. L'attaquant charitois Omar Ouled, encouragé par son ami d'enfance Nabil Fekir et son coéquipier Ferland Mendy. Je tenais à vous soutenir de tout cœur. C'est le club de l'US Charité. Voilà, j'espère que demain ça sera un grand jour pour vous et que vous irez chercher la victoire. Et une mention spéciale à Omar. Hein. Tu nous mettrais une petite reprise de volée. Hein. Allez, bon courage et bon match. Et force à vous. C'est fort, beaucoup d'émotions. Ça fait plaisir, ça touche. Le voile du 8e tour de la Coupe de France se lève sur le stade des Sonnets, l'habituel théâtre du FC Nevers 58, où l'US Charité et le Bourges Foot se disputent une place pour les 32e de finale. L'Hivernais ont répondu présent. La Fédération française vient au stade de Nevers, c'est splendide. Je vous demande 14, donnez-moi 18. Là, en l'occurrence, je vous demande 18, donnez-moi 20. Chacun donne son maximum. C'est bon pour vous, les garçons ? Allez, bon match. Commence parfaitement pour les charitois. À peine 11 minutes de jeu, et un mouvement plein de fluidité permet à Omar Ouled de lancer les hostilités. La charité est sur son petit nuage, l'ami de Nabil Fekir aussi. Et la timide réaction du Bourges Foot par l'intermédiaire de Sanounou Sidibé ne suffit pas à refroidir les ardeurs des protégés de l'ancien berruyer et entraîneur de la charité, Gaston Diamé. Mais au retour des vestiaires, la percée de Kwame Nguessan déstabilise Maxime Rosier. Pénalty logiquement accordé et transformé par Kwame Nguessan lui-même. Peu d'occasions animent la suite d'une rencontre plutôt fermée et personne ne parvient à s'échapper au cours du temps réglementaire. Pas même sur cette balle de match de Guillaume Quillard en toute fin de partie. Pendant la prolongation, qui voit les gardiens Kevin Macando et Maxime Rosier s'employer. Tout comme au tir au but, où il faut attendre la quatrième tentative pour voir les filets trembler grâce au portier berruyer. Une séance conclue en beauté, avec une Panenka signée Ronald Bafunta, synonyme de ticket pour affronter l'Olympique Lyonnais en 32e de finale. On va prendre du plaisir. Ouais, ça va, ça fait plaisir, sérieusement, ça fait plaisir. Et nous, on a dit, on est le Bourges Foot, on est le Bourges Foot. Ouais, c'est magique, vraiment match extraordinaire, match de coupe, match fermé avec peu d'occases. Et puis la beauté de la coupe, ça nous sourit encore une fois. La bonne surprise de sortir la charité qui était dans l'épisode 2 et on sera présent dans l'épisode 3, donc encore plus merveilleux pour nous en espérant que ce soit une super fête contre Lyon au mois de janvier. Épisode 3, c'est chez nous à Bourges. C'est chez nous.